Bonjour maman, je suis content de retrouver dans notre côté cuisine. Je te connais, demain c'est dimanche Pâques et dimanche Pâques ça mange chocolat. Mais comme ça, ça mange aussi, il mange gigot d'agneau, ça la tradition. Alors pour accompagner les gigot d'agneau, je propose à vous un gratin dauphinois créole. Allez, c'est parti mes amis. Mon gratin dauphinois créole, moi m'y mettre fouille à pain, songe et puis patate carotte. Et avec ça, je dois dire moi le goût comment il est marmaille. Voilà, mon fouille à pain est plissé, tranché. Acheter, m'y plisse le songe. Voilà, un joli songe, je trouve ça marche et forain. Pareil pour la cuisson, les bien, fait des fines tranches. Donc là, m'y tranche le songe. Donc voilà, en fine tranche. C'est notre troisième élément, la patate douce. Donc il nous a bien plissé, il tranche, il fin pareil que les autres. Le principe de notre gratin dauphinois créole, ben c'est une succession de couches de différents éléments. Donc, moi, je commence par le fouillis à pain, bien sûr. Voilà. Donc, nous fait notre première couche fouillis à pain. Et surtout, n'oublie pas à chaque couche salé poivré. Bon voilà, les parés, nos bonnes légumes, tout ça est bien dans le plat. À ce tir, ça rajoute la crème, bien comme il faut, bien recouvrir la crème bien sûr. Voilà, notre plat est paré, direction le four pour 45 minutes de cuisson à 160 degrés. Allez, nous ça va. Notre gratin dauphinois créole est paré, mais les autres mamans, ils ont ça, les autres doigts, et surtout, n'oublie pas, les autres gigots d'agneau, et puis sûrement, rajoute une salade verte avec ça, comme ça, les plus légers pour passer. Allez, nous on se retrouve pour 5 coups, bon appétit et joyeuse Pâques!